Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de WWE 2K19. Et enfin, on a le roster quasi complet. On va en parler en fin de vidéo. Pourquoi je dis quasi? C'est un mot que je vais bien préciser. On verra ça à la fin. N'hésitez pas à me dire pour vous qui il manque dans le roster que je vais vous annoncer et dans sa globalité. Par contre, faites attention les petits loups, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont parues auparavant. Là, c'est la troisième vidéo. Parce que durant la vidéo numéro 2, vous avez été nombreux à me dire « Ah mais il manque lui, ah mais il manque lui !» Mais ils avaient déjà été annoncés durant la vidéo numéro 1. Donc n'hésitez pas à tout bien checker pour mettre des commentaires constructifs et représentatifs des vidéos. Après, si vous aimez ces vidéos sur 2K19, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez hâte de jouer au jeu et de savoir s'il vaut le coup ou pas, bah, de laisser aussi un petit like. Et puis bon, on est parti tout de suite avec Randy Savage, Roddy Piper, Steve Austin, André le Géant, Alundra Blaze, Bam Bam Bigelow, Batista, Beth Phoenix, Big Boss Man, Booker T, Bret Hart, British Bulldog, Brutus Beefcake, Christian, Diamond Dallas Page, Diesel, Dusty Wood, Eddie Guerrero, Edge, Goldberg, Greg Valentine, Ivory, Jacqueline, Jack Roberts, Jim Neckhart, Kevin Nash, Kurt Angle, Lex Luger, Lita, Mr. McMahon bien entendu, Mr. Perfect, Papa Shango, Rick Rude, Razor Ramon, Rey Mysterio, Ric Flair, Rick Martel, Ricky Steamboat, Ricky Morton, Rikichi, Robert Gibson, Scott Hall, Shawn Michaels, Stephanie McMahon, Sting, Psycho Sid, Tatanka, Ted DiBiase, The Godfather, Le Rock, Trish Stratus, Ultimate Warrior, Undertaker, et on finit avec Vader qui nous a quittés. Cette année, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Alors, la troisième vidéo qui est annoncée par rapport au roster Evolve, c'était avec The Bar, toujours avec Lana et Rousseff en présentateur. C'était, on va dire, le roster spécial légende, parce que vous avez déjà vu normalement, à part quelques-uns, normalement tous sont à la retraite, décédés, ou qui ont fait autre chose. Et là on se pose une question, c'est qu'il manque quand même pas mal de superstars, surtout de la NXT. Après il y a peut-être d'autres qui manquent dans le main roster, mais même moi la mémoire c'est pas trop ça. Déjà, Ciampa. Where is Ciampa? Où est-ce qu'il est? Pour ceux qui ne connaissent pas, il vient de la NXT. C'est le champion, charismatique, etc. Est-ce qu'ils vont faire une annonce spéciale pour ces superstars de NXT? Est-ce qu'ils vont les mettre en DLC? Ça serait quand même surprenant que Ciampa soit en DLC quand même, alors que Gargano, par exemple, ne l'est pas. Nikki Cross, beaucoup se disent, mais Nikki Cross, genre on a Bianca, mais on n'a pas Nikki Cross. Il y a aussi Dakota Kai, par exemple, qui n'est pas là. On a qui d'autre? Kelly Kelly, dans les légendes, beaucoup de personnes se sont plaintes que Kelly Kelly n'était pas disponible. Donc vraiment, pas mal de superstars qui manque à l'appel, mais est-ce que c'est pour, genre, on s'est énervé, tout, ils sont où? Et bim, une annonce spéciale, bon, on vous annonce les dernières superstars qui n'ont pas été annoncées, pourquoi pas, mais pour le moment, j'avoue que pas mal de superstars manquent à l'appel, beaucoup de personnes ont été déçues par rapport à ça, et ont été déçues aussi par rapport à la vidéo que je vous ai mis, du mode showcase, le gameplay, de l'abondance, etc., pas mal de choses coïncident pas avec le gameplay et ce qui s'est passé réellement, j'en parlerai dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, parce que aussi, l'entrée de Valvertine, on a aussi l'entrée de Ruby Riot, on a pas mal de nouvelles notes, donc on en parlera demain pour éviter de tout embrouiller, etc. Là c'est vraiment par rapport au roster, on va s'arrêter là. Je compte sur vous en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, qui il manque, je l'ai peut-être oublié, hein. Et si je l'ai oublié, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qui est la superstar qui manque vraiment, mais moi franchement, si je dois en dire une, c'est Ciampa, parce qu'il est charismatique, il est bon, et tout le monde le veut dans WWE 2K19, donc voilà, on a hâte de le tester. Après, à voir s'ils vont pas faire une surprise par rapport à ça. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut !